blue grass in the meadow lifts you right up to the sky. And I hope that I can go back to Kentucky when I die. En moins de 20 ans, sans puits de pétrole, mais grâce à sa seule poigne personnelle, un homme a construit un empire dans le Kentucky, Ramsey Farm. Il possède 240 poulinières sur un haras de 800 hectares qui abrite 600 chevaux. Avec en plus de cela 115 chevaux à l'entraînement, Kenneth Ramsey est le plus gros éleveur du Kentucky et l'un des plus puissants propriétaires des États-Unis, donc du monde. Vainqueur d'une épreuve de la Breeders' Cup 2015 avec Stephanie Skitten, cet octogénaire a fondé son business géant à partir d'un seul étalon, méprisé au départ, mais devenu superstar, Kitten's Joy. Well, this is a three-quarter-size statue of Kitten's Joy, what we call the franchise on the farm. Voici la statue de Kitten's Joy, celui qu'on peut appeler le pilier de notre haras. Il est né chez nous. Sa mère, Kitten's First, a eu un grave accident en sortant des stalles à sa deuxième sortie à Belmont et nous l'avons gardée comme poulinière. Elle a rempli Del Prado. Mais le poulinage a été si difficile que Kitten's Joy est né par césarienne. Il fait la monte pour 100 000 dollars, ses listes sont pleines. Il a saillie 204 juments en 2014 et 186 en 2015. La mère, Kitten's First, fut la toute première jument de course de Madame Ramsey, Sarah Catherine, surnommée Kitten, et aussi la première poulinière du couple. Kitten's Joy fut un excellent cheval de course, double gagnant de groupe 1 et deuxième de la Breeders' Cup Turf, mais personne ne croyait au début en l'avenir de ce spécialiste uniquement des pistes en herbe. À l'époque, les courses sur le gazon n'étaient pas aussi populaires qu'aujourd'hui. Et encore moins un cheval de distance sur le gazon. Il a été lui-même un champion, vainqueur de l'Eclipse Award. Mais c'est vrai, tous nos classiques se disputent encore sur le dirt. Les Kentucky Derby, Preakness Stakes, les Belmont aussi. Et la Breeders' Cup Classic. Donc, les gens préfèrent les chevaux de dirt. Et les chevaux précoces qui courent à 2 ans sur le sprint et ramènent de l'argent plus vite. Pour les chevaux de gazon, ça prend un peu plus de temps. Mais les courses sur le turf prennent de plus en plus d'importance. Et tous les hippodromes se sont dotés d'une piste en gazon aux États-Unis. Donc, notre étalon est devenu populaire. Il est actuellement 4e du classement national aux États-Unis et l'année dernière, il était numéro 1. Kenneth Ramsey fait figure d'ovni dans l'establishment de l'élevage américain. Au départ simple turfiste, amateur de chevaux à réclamer, il s'est lancé dans le grand bain après avoir vendu son entreprise de téléphonie mobile pour 37 millions de dollars. Well, I guess you'd call it a horse race and I'm a total outcross. Dans le monde des courses, on dirait de moi que j'ai un pédigré outcross. Ni mes parents, ni mes grands-parents, ni quiconque de ma famille n'était investi dans le business des courses. J'ai grandi dans une vieille ferme construite par mon oncle Mo. Il avait 2 mules, mais donc rien à voir avec les pur-sang. Quand j'ai eu 5 ans, ma tante m'a emmené à Churchill Downs pour voir l'hippodrome. J'ai eu un déclic. J'ai continué de m'y intéresser. J'écoutais le Kentucky Derby à la radio. Quand j'ai appris à lire, j'ai acheté les journaux et je faisais le papier des courses. Puis, quand je suis parti à l'armée, dans la Navy, j'ai acheté mon premier cheval et j'ai couru à Golden Gate, à San Francisco, en Californie. Après, quand je suis revenu chez moi, je suis allé à l'université du Kentucky, tout près d'ici, et je rêvais d'avoir une grande écurie à Kinland. J'ai toujours eu des chevaux, mais quand j'ai eu du succès dans mes affaires, j'ai enfin eu les moyens d'acheter un haras. Et en 20 ans, j'en ai fait ce que c'est devenu. À la base, j'ai acheté moins de 200 hectares. Maintenant, ça fait près de 800 hectares avec les nouvelles terres que je viens d'acquérir. Ici, ça a toujours été un endroit parfait pour élever des chevaux de course. Par exemple, Exterminator, qui a gagné le Kentucky Derby en 1918, a été élevé sur ces terres, qui ont donné aussi beaucoup de grands trotteurs à l'époque. Notre terroir s'appuie sur des bases très fortes en calcaire. Donc, nous avons un sol riche et une bonne herbe, une nourriture naturellement très bien équilibrée pour les chevaux. Et de l'eau de source. Aucun de mes chevaux ne boit de l'eau de la ville, qui est pleine de chlore et de produits chimiques. J'ai 8 sources sur moi qui donnent de l'eau naturelle dans tous les paddocks à une température constante de 14 degrés. Mes poulinières, les foals, tout le monde boit de cette eau et ça fait des chevaux qui durent. Regardez Stephanie Skitten, elle a 6 ans et elle gagne encore.
And they're off in the Breeders' Cup Filly and Mare Turf. Stéphanie Skeeton a en effet remporté la Breeders' Cup Filly and Mare Turf 2015 au nez à la barbe des Françaises, sous l'entraînement de la nouvelle étoile Chad Brown. Passionné, sentimental, mais aussi businessman, Ramsey a présenté la jument aux ventes de Fazit Timpton dès le lendemain. Rachetée pour 3 millions de dollars, Stéphanie Skeeton a été vendue deux jours plus tard à l'amiable à Katsumi Yoshida pour 2,8 millions de dollars. Saturday was a very sentimental day, a filly. Samedi, c'était une journée très spéciale. Ma jument, Stéphanie Skeeton, qui porte le nom de ma petite fille, Stéphanie, a gagné la Breeders' Cup Filly and Mare Turf. Elle est revenue de la dernière position. Elle n'avait pas une première chance, en plus avec un mauvais numéro 11 dans les stalles. Elle paye d'ailleurs 17 contre 1. Mais le jockey, Ortiz Junior, a monté une course incroyable. Il est venu entre les chevaux et a gagné d'une longueur écart. Une journée mémorable. Just absolutely one of the highlights to remember. We've sold her, she's going to Japan. Nous l'avons vendue. Elle part au Japon, à Northern Farm, l'un des plus grands haras du Japon, appartenant à l'un des frères Yoshida. Et j'ai cru comprendre qu'elle va entrer dans une écurie très spéciale qui s'appelle Les Joyaux, et dans laquelle M. Yoshida met le chevau qu'il a payé plus d'un million de dollars. Elle ne pourra pas être mieux. Pour consoler sa famille et surtout sa petite fille, Kenneth Ramsey prévoit un grand voyage au Japon. L'occasion aussi de rendre visite à son autre ancienne vedette, Rose Is In May, vainqueur de la Dubai World Cup, qu'il a vendue pour 8,2 millions de dollars. Installé à Big Red Farm à Hokkaido, il n'y produit pourtant pas très bien. Et Kenneth Ramsey se félicite encore d'avoir choisi de garder plus tôt Kitten's Joy comme étalon, ayant pour lui refusé de très grosses offres après sa première production. Pourquoi mes chevaux s'appellent tous Skeeton? Ah, je dois remercier mon ami l'ancien gouverneur du Kentucky, Bretton Jones, qui fut aussi mon associé sur des chevaux. Un jour, il m'a dit, si tu veux fabriquer un étalon, il faut lui faire de la publicité. Donc, si tu gardes des produits et que tu les mets toi-même à l'entraînement, nomme-les d'après ton étalon. Nous avons fait ça dès la première année et ça a bien marché. Nous avons continué sauf pour une année, car je pensais en avoir fait assez. Mais un jour, une dame est venue me voir après une victoire de l'Easter par une pouliche nommée Gong Ho. Elle m'a dit, « Monsieur Ramsey, vous auriez dû l'appeler Gong Ho Kitten, et dans ce cas, je l'aurais joué. » Alors que là, je ne me suis rendu compte qu'après que c'était une kitten. Donc, à partir de là, j'étais sûr que c'était un super nom pour le marketing. Et maintenant, plus on en fait autour du nom Kitten, meilleur c'est pour nous. À 80 ans, ce grand homme d'affaires qui possède aussi des dizaines de millions de dollars dans l'immobilier, zones industrielles, buildings et autres gratte-ciel, nourrit toujours plein de projets. Il veut d'ailleurs conquérir le monde. Non seulement il fait naître des poulains au deuxième semestre pour attaquer les marchés de l'hémisphère sud, mais il envoie aussi des pensionnaires en Europe. We have a trainer called Gianluca Biottolini who trains over in Italy and France. J'ai mis des produits de Kitten's Joy chez l'Italien Gianluca Biottolini, chez l'Irlandais Dermot Weld, mais aussi chez l'Anglais David Langdon. Who has five Kitten's Joys over in Europe. Je dois envoyer un cheval de longue distance chez Dermot Weld pour aller gagner la Melbourne Cup. Et aussi, mon rêve, ce serait de gagner à Royal Ascot devant Sa Majesté la Reine d'Angleterre. Ce sont mes prochains objectifs. Aujourd'hui, je fête mes 80 ans. Et j'ai donc encore 20 ans devant moi pour atteindre ces deux objectifs, Royal Ascot et la Melbourne Cup. Some of those things off my bucket list, like win at Royal Ascot and the Melbourne Cup.